Et salut tout le monde, c'est Lego du Cobu 85 et on se retrouve pour l'évacu numéro 1. Excusez-moi. Donc avant de commencer l'évacu, j'aimerais m'excuser pour le manque de vidéos en ce moment. J'ai vraiment, enfin, j'ai le temps sans avoir le temps. Parce que là en fait j'ai plus d'ordinateur, enfin j'ai plus d'internet, du coup je peux pas faire beaucoup de vidéos. Voilà. Et puis c'est tout, voilà. Et puis je me rem excuse du manque de vidéos, voilà. Donc alors on va commencer les FAQ. Alors j'ai eu 7 personnes qui m'ont posé des questions. Excusez-moi. Alors la première question c'est de Thomas the Lego Man. Quel est ton youtubeur Lego préféré? Mon youtubeur Lego préféré, c'est CDL Studio, qui fait des mocs super génial, franchement très très bien décoré, enfin, très très bien détaillé. Excusez-moi, je vais avoir un peu enroué. Alors là, ces mocs sont vraiment super, c'est custom aussi. Donc voilà. Deuxième question de Monsieur Star Wars Production Lego. Pourquoi le Lego? Quel logiciel de montage utilises-tu pour ton intro? Pourquoi les Lego? Bonne question. Alors j'ai appris à connaître les Lego à mes 5 ans. Ouais, à mes 5 ans. Quand j'ai commencé à faire des Lego, bah, j'étais vraiment calme parce qu'avant, quand j'avais pas de Lego, j'étais tout le temps énervé, je faisais le bordel avec mes parents, tout ça. Et dès que j'ai eu des Lego, bah, je me suis calmé. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien les Lego. Et puis bah c'est constructif, enfin voilà quoi. Hop. Par contre, ta deuxième question de Monsieur Star Wars Lego Production, je la répondrai. Je peux la répondre là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Parce que là j'ai plus internet. Donc du coup je peux pas montrer le logiciel. Donc je suis désolé, hein. Alors la troisième question c'est de Clone 90. Comment as-tu l'idée de faire des vidéos? L'idée, elle m'est venue quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de Lego parce que je savais pas vraiment faire de mock. Enfin, je jouais surtout au Lego City. Je jouais jamais. Enfin, j'avais pas de Star Wars hein, quand j'étais plus petit. Et du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et là, je me suis dit pourquoi pas me créer ma chaîne. Ma chaîne, excusez-moi. Donc voilà. Excusez-moi. Quatrième question de Monsieur Star Wars. Monsieur Lego Star Wars Gaming. Comment as-tu connu les Lego? Je les ai connus par mon tonton. Parce que lui, quand j'avais 5 ans, on en avait déjà. J'allais souvent dans le sud. Et j'allais souvent chez mon tonton aussi. Et du coup, ben, il avait une chambre remplie de. Enfin, une chambre d'amis remplie de Lego. Et un placard entier aussi. Du coup, ben, il me prêtait de temps en temps des Lego. Et je jouais avec. Et c'est comme ça que j'ai connu les Lego. Voilà. Voilà. Excusez-moi. J'arrête pas de tousser, ça m'énerve. Cinquième question de Homer75. Vas-tu faire un room tour comme vidéo? Non, ce n'est pas prévu pour l'instant, parce que, comme vous pouvez le voir, hop, attendez, hop, c'est du violet, c'est pas ma chambre, voilà, c'est la chambre de ma soeur, et moi en fait, moi j'ai pas de chambre, mes Lego sont dans la chambre de ma soeur, et moi je dors dans la chambre de mon petit frère, voilà, voilà, donc je ferai un room tour quand j'aurai ma chambre, donc dans peut-être 6 mois. Parce que nous sommes en construction, on est en train de faire la chambre de ma soeur. Donc voilà. Donc c'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Après, sixième question de Victor Delattre. Quel thème de Lego préfères-tu? Quel âge as-tu? Alors, le thème de Lego que je préfère, j'en ai deux. Donc les Star Wars, enfin le Star Wars et le City. Et après le Hobbit un petit peu. Voilà. Quel âge as-tu? Alors j'ai 13 ans, voilà. Je vais avoir mes 14 le 20 novembre. Donc j'ai encore le temps.
Voilà. Certaines personnes. Skywalker 77 production. Voilà. Alors, lui m'a posé 4 questions. Voilà. Quel est ton premier set de Lego Star Wars? Alors mon premier set Lego Star Wars, je vais vous montrer. Il est là. Hop. C'est celui-là. Voilà. Le Trooper. J'ai eu à mes 13 ans. Bah, ouais. À mes 13 ans en plus. En fait, c'est pas longtemps que j'ai eu des Star Wars. Voilà. Vader. Voilà. C'est pas longtemps que j'ai des Star Wars. Voilà. Quel âge as-tu? Bah, j'ai déjà répondu. Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Thomas. Voilà. Comme ça, tout le monde saura. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, attendez. Que penses-tu de Star Wars Rebelle? Ah, voilà. Que penses-tu des Star Wars Rebelles? Sur le dessin animé? Enfin, si tu parles de dessin animé, franchement, bien, mais ce que je regarde, c'est qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Parce que moi, quand je regarde la télé, c'est tout le temps les mêmes épisodes qui passent. Et voilà quoi. Autrement, c'est. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. merci à ceux qui m'ont posé des questions. Merci à vous. Donc, ma prochaine FAQ numéro 2, je la ferai dans. Facile 3 mois ou 2 mois. Voilà. Ou dans un mois, je sais pas. Donc posez-moi encore des questions. Et je ferai une autre vidéo pour ça. Donc voilà. Donc abonnez-vous. Continuez à vous abonner. À liker mes vidéos. À commenter. À les partager sur. Bah, voilà. À les partager. Et puis moi, je dis à la prochaine.